Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est parti donc pour le choc des youtubeurs, le Tour de France qui commence. Voilà, le Giro c'est terminé. On est donc parti pour un Tour de France. Beaucoup de nouveautés sur ce Tour de France, voilà, donc la DB qui ne change pas. Startlist officielle. Tout d'abord, on va présenter le parcours de ce Tour de France. Avec grand départ de Lorient, première étape entre Lorient et Saint-Nazaire, où les sprinteurs devraient se jouer la victoire. Deuxième étape, arrivée au mur de Bretagne. On connaît le mur de Bretagne, c'est difficile. Troisième étape entre Parthenay et Limoges, étape intéressante aussi. Un petit peu vallonnée sur la fin. Quatrième étape entre Limoges et Aurillac. Elle sera intéressante cette étape, étape vallonnée aussi. Albi-Toulouse, voilà, c'est plat, ça se jouera au sprint. Mont-de-Marsan-Bayonne, eh ben, ça se jouera encore une fois au sprint, je pense. Pau-Luzardiden, de la montagne. Bannière de Bigorre, Col d'Aspe, de la montagne dans les Pyrénées, là ça devient énorme. Plateau de Bay, bien sûr, on la connaît. Perpignan-Béziers, étape de repos, mais attention, ça arrive, ça monte un petit peu à Béziers. Il y a du vent, donc ça risque d'être chaud. Le seul contre-la-montre, il fait quasiment 62 km entre Béziers et Lodève. Et il va pas être très très facile ce contre-la-montre. On enchaînera avec une étape entre Montpellier et Mende, arrivé sur l'aérodrome de Mende, donc ça va faire mal aussi. Montélimar-Mont-Ventoux, belle étape. Marseille-Fréjus, voilà, étape de plaine de repos. Avant l'étape, Auroncol-Daniel, qui celle-là, elle va être énorme aussi. Guillestre-Digne-les-Bains, ça c'est une étape de repos. Tout comme Lyon-Grenoble. On aura Grenoble-Le Grand-Bornand, voilà, ça sera une étape un petit peu de vallon, mais elle sera difficile aussi. 19ème étape entre Annecy et Tignes. L'étape 20 entre Albertville et le col du Galibier, qui sera vraiment énorme aussi. Et dernière étape, j'ai pas changé, voilà. Donc au niveau, on a une nouvelle équipe qui fait son apparition. C'est l'équipe de HDPCM Bianchi, voilà. Et moi, je prendrai donc l'équipe Cyanide. Avec, voilà, j'ai mis des stats un petit peu moyennes, j'ai envie de dire. Et je ne les contrôlerai pas, je ne ferai que simuler. Comme ça sera plus joli. On se donne donc rendez-vous dans le final, 25 km de la première étape entre Lorient et Saint-Nazaire. Voilà les gars, on est dans le final de cette première étape. On retrouve trois hommes à l'avant, Aescrou, Valmont et Corentin Dumondin, qui ont 1 minute 45 du peloton. Voilà, on voit que les voitures commencent à doubler. C'est parce que le peloton est juste là, amené par Oxor en personne. Voilà, c'est un petit peu étiré, mais voilà, ça roule vraiment pour essayer de revenir. Et après je pense qu'il y a tout le monde à peu près qui est là dans le peloton. Je vais juste regarder. Ouais, c'est bon, ils sont tous bien placés les miens. Hop. Et devant ça roule bien. Avec l'équipe de HDPCM, Alex BC qui roule. On va arriver à Saint-Nazaire, hein. Voilà, on aperçoit la ville là-bas. D'ici quelques kilomètres. Et on essaye de résister le plus possible. On veut rentrer dans la ville en tête, je pense. Première échappée de ce Tour de France qui ne sera pas la bonne, c'est tout à fait normal. Mais ils auront bien essayé au moins. Et ils continuent de se battre, ils continuent de se battre. Ils vont rentrer dans la ville avec une minute d'avance. Et il n'y en a aucun qui relance, voilà, ils restent groupés ensemble, ça c'est pas mal non plus. Allez, on rentre dans Saint-Nazaire. Voilà, on rentre dans la ville. Et devant... ils sont à 50 secondes d'avance. Le peloton en train de revenir. Crézia maintenant qui roule pour du côté de l'équipe Coam. Les sprinteurs qui ont tous 81 en accélération et en sprint. Et les leaders qui ont tous les mêmes notes. Ouais, le premier à lâcher devant, c'est Valmont. Il tente d'essayer de revenir, c'est pas possible. On a Corentin et Aescrou. Freuzix qui amène le groupe. Pour l'équipe d'HD. PCM. Parce qu'il y a deux HD pour le coup. Allez, c'est revenu, le prodige du Nord, avec Dylan Van Boom plutôt, Abdoul Leblanc, ouais, c'est pas revenu encore, ouais, ils sont là, c'est terminé pour l'échappée du jour, il y a trois trains, il y a plusieurs trains en route, Skynif qui prend l'aspiration là, intelligent, ouais, il y en a plusieurs là qui peuvent se jouer la victoire des sprinters, on va arriver dans cette dernière ligne droite, ça lance là-bas, avec Mysterio, Fab, Alexis Villain, Mysterio. Allez, c'est Luc Mysterio qui va aller s'imposer pour l'équipe de Quam. Exactement.
Deuxième, Alexis Vien. Troisième, Fab. Cyclisme Bardet, Iskander, Algérienne, Mitrogol. Maxence Boiroux, Abdoul Leblanc, Fabio Cyclisme. Ouais, l'équipe de Dylan un petit peu décevante pour le coup. Mais en tout cas, belle petite étape remportée par notre ami Luc Mysterio qui sera premier maillot jaune du tour. Et ça, c'est important de le préciser. Il portera donc le maillot de leader sur le Tour de France, sur la deuxième étape, l'arrivée à Mur de Bretagne. Il me semble qu'il y a eu un abandon dès la première étape. On va revoir le sprint. Bien joué. Là, ça s'est joué de loin. Bon retour d'Alexis Vien. Dommage, il n'a pas eu assez de puissance pour revenir. Mais il y a eu quand même un beau sprint. Et on va assister au podium. Voir le premier maillot jaune qui va être mis à Luc Mysterio. Voilà. Il a son maillot. Le maillot vert qui sera porté par Alexis Vien. On aura le meilleur jeune qui sera porté par Cyclisme Bardet. Et l'équipe Quam qui est en tête pour le moment de ce classement. Voilà. Victoire pour Mysterio. Cyclisme Bardet. Boiroux qui est là. Et on se retrouve directement dans la deuxième étape qui arrive à Mur de Bretagne. Allez, on est parti les gars dans le final de cette deuxième étape. L'arrivée au Mur de Bretagne. On compte 7 hommes en tête. On a Gotago, Guillaume Hussy, Dorian Dopogo, Freeze FR, Victor Vlasic, Max Istapper et une nouvelle fois Ice Crew. Le peloton est juste là derrière. Voilà, ça roule également pour la formation de Cycling. On est là du côté de la formation de Styros. Et on a des hommes dans toute façon un petit peu partout. Le Mur de Bretagne, c'est dans 13 km qu'on va l'attaquer. C'est quand même assez vallonné avant d'y arriver. Donc bon, il faut rester costaud. 14 km pour le moment. Devant, ça tient. Mais là, le peloton est assez étiré. Et en queue de groupe là-bas, ça risque peut-être de craquer d'ici quelques instants. Juste voir s'il n'y a plus d'abandon sur l'étape d'avant. J'ai pas pensé à regarder ça. Et aussi, abandon de Simon Zemka. Donc, bah, dommage, il a abandonné Simon. Je sais pas, il a pas fini hors délai. Je sais pas, il a dû abandonner après une chute. Enfin, ça me dit pas qu'il y a eu des chutes sur la première étape. Bref. Voilà, les leaders se placent. Ça, c'est important. On voit Kleber Van Boom placé. Alex Gaming qui se refait remonter. Oxor qui est là. On a Simon Gaming. Et devant ça roule, devant ça roule, devant ça. Ça collabore une 28, 7 km. Le Mur de Bretagne, c'est là-bas. On y approche de ce Mur de Bretagne. Allez, Victor Vlasic, tout ça, ça roule. Ouais, ça conserve l'avance, ça conserve l'avance. Et accélération là de Simon avec Alexis Chantraine. Ouais, de belles accélérations. Pour le moment, l'échappée est bien partie. Et au pied du Mur de Bretagne, ils sont ensemble. Et attaque de Bistouflex et de Gaming. Les trois là, les deux, ils sont quasiment ex aequo. Ça va se jouer à deux, sans doute. Ouais, devant c'est pas mal. Devant c'est bien. Dans ce Mur de Bretagne, 1 800 km de l'arrivée. Et ça va aller au bout pour l'échapper. Encore distancé à l'arrière. C'est Wesson. Hop, on va juste regarder, on va juste revenir devant. Ils sont pas mal les deux là. Et Victor Vlasic devant, en train d'accélérer. Avec Ice Crew. Allez, la victoire qui va jouer en échappée. Victor Vlasic ou Ice Crew pour remporter cette étape. Victor Vlasic beaucoup plus puissant. Victoire de Victor Vlasic pour l'équipe d'Alex Gaming. Et Game Cycling qui va faire un bon temps également. Troisième place pour Game Cycling au Mur de Bretagne. L'échappée qui est quasiment allée au bout. Voilà, après derrière, tous les leaders arrivent en même temps. Mais belle victoire de Victor Vlasic en échappée. Ça a fait plaisir là de le voir gagner, Victor Vlasic. Il était parti dès le départ, un des premiers attaquants de la journée. Et il va prendre le maillot jaune en plus. Il prend le maillot jaune, Victor. Hop, au général, Victor, comme il faut, installé. Game Cycling est à 33 secondes. Voilà, après tous les leaders sont à 47 secondes. Voilà, ils perdent un petit peu de temps. On se retrouve donc directement dans la troisième étape, arrivée à Limoges. Allez les gars, on est parti dans le final de cette étape. Voilà, pile au moment où l'échappée se fait reprendre, on avait Valdam
dans l'échappée avec je ne sais plus qui. Je crois qu'il y avait Favon avec lui dans l'échappée. Et derrière, on a un coureur qui est distancé depuis un petit moment. C'est Warren Spartacus. Il a crevé tout à l'heure. Donc bah là, pour le coup, bah, il est à la rue derrière. Et en plus, il est en défaillance. Voilà. Et derrière, hop, on va juste faire ça. Nous, on va revenir devant quand même. L'arrivée à Limoges qui arrive. L'arrivée, ça sera là. Sur une petite bosse quand même. Donc peut-être pour les punchers, encore une fois. Le maillot jaune qui est placé. On le voit pas, le maillot jaune. Je sais pas où il est. C'est pas grave. Je vais juste faire ça. Mais pour le moment, on voit pas le maillot jaune placé. Mais bon, ça devrait remonter, je pense. Il devrait bien se positionner. On va juste faire ça. Hop. Voilà, parfait. Hop. Detrox Fun, je l'avais pas vu. Bon, il est là, d'accord. Et là, ça amène vraiment hein, du côté de toutes les équipes. Là, il y a une petite boss, voilà, qui fait pas de mal. Hein. Elle va être tranquille, cette boss. Ça passe sans encombre, à mon avis, pour l'échapper. C'est vraiment derrière qu'on va essayer de revenir. Viktor Vlasic, qui est pas super bien placé. Ça continue de rouler, ça continue de rouler. Alors qu'on va arriver bientôt à Limoges. Là, on a cette petite côte ici. Elle est pas simple. Ouais, c'est difficile sur le pied. Voilà, après là, c'est un peu plus simple maintenant. 1 km du sommet, voilà, exactement là. Voilà, là, c'est roulant. Et on a une équipe, l'équipe de Matt, là, qui travaille. Ça sera pour amener Forza Ferrari tout à l'heure au sprint. Alors que là, on arrive, on n'est pas loin de l'arrivée. 8 km de l'arrivée. Ça travaille, toutes les équipes sont là. Les sprinters sont placés et les FAV vont être lancés. Attention aux cassures, attention aux cassures. Des coureurs distancés à l'arrière. On va regarder qui est distancé. Dylan Blade. Ok. Zouzou, ok. Il n'y a pas de gros coureurs distancés quand même. Et là, ça roule pour emmener le sprint. Detrox Fun qui accélère pour l'équipe d'Oxor. On a Tutor. Et voilà, l'équipe d'Oxor est là pour Alexis Vignan. Ou pour BZH. Non, c'est pour Alexis Vignan qu'on roule là. Algérienne qui essaye de prendre une aspiration. Il n'a pas trop de poissons pilote. C'est quand même Oxor hein, qui travaille en personne. Allez, Alexis Vignan là dans la roue. Tutor qui a travaillé pour Vatonai. Et c'est Skynive. La bosse. Oh, Alexis Vignan qui est super bien parti. Oh, Alexis Vignan, il est costaud là pour le moment. Il est devant. Skynive qui essaye de revenir. Et la victoire d'Alexis Vignan. En solitaire, enfin au sprint quand même, il les a battus un peu tous. Skynive, Fab Mentiès et Fab Costo, hein, à chaque fois il est dans les bonnes positions. Et voilà, les leaders qui se neutralisent sur cette étape. Sans difficulté particulière, mais belle victoire d'Alexis au sprint. Son équipe a travaillé et il a pas montré qu'ils avaient travaillé pour rien. Donc magnifique victoire d'Alexis. Il a pas rigolé, il a assuré. Et c'est voilà, c'est super, voilà, on le voit, hop, il peut savourer. Skynive qui vient faire deuxième, c'est dommage quand même. Mais bon, il n'y a pas de changement au général. Viktor Vlasic conserve la tunique. Et le deuxième, il a perdu du temps là, escrou. Ouais, il y en a qui ont perdu du temps pour le coup, parce que regardez, Viktor Vlasic 33 secondes maintenant. Et Viktor, il est costaud. Je pense qu'après tous les leaders sont là. Ouais, exactement, je pense qu'ils sont tous là les leaders. Du coup, ben on se retrouvera dans un prochain épisode pour cette étape, celle-ci et celle-ci. Je vous dis donc à la prochaine les gars, portez-vous bien. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien, ciao tout le monde.